Kendrick Lamar, Gorillaz ou Lana Del Rey, les spectateurs du Sziget Festival de Budapest profitent depuis ce mercredi d'un bain de musique et de soleil. Des températures qui atteignent 36 à 38 degrés par moment, alors les 70 000 festivaliers déjà présents se rafraîchissent par tous les moyens. Sieste à l'ombre des arbres, baignade dans le Danube ou encore des parties de beer pong, un jeu de ping-pong un peu particulier. Ici, le perdant est contraint de boire une bière. On peut gagner cette Coupe du Monde aussi. Oui, notre stratégie, c'est de défendre. On leur donne quelques points d'avance et on les bat après. Les organisateurs ne distribuent pas davantage de bière, mais des bouteilles d'eau et invitent les festivaliers à s'hydrater plus et boire moins d'alcool pendant la canicule. Une telle chaleur, il est conseillé de boire de l'eau pas trop froide. Nous conseillons à nos clients de boire chaque fois qu'ils le peuvent. Nous avons des fontaines partout sur l'île. Ils n'ont pas à payer pour l'eau. De l'eau en bouteille pour s'hydrater est tirée par les jets de camions de pompiers reconvertis en arrosoirs géants pour se rafraîchir. Un personnel médical de 600 personnes est également présent pour aider ceux qui en ont besoin. Les habitants de l'île peuvent se rafraîchir avec des fontaines à eau et des voitures de pompiers. Mais dans cette chaleur, seule l'eau froide du Danube peut apporter un vrai soulagement.